Après Yamoussoukro en 2022, la ville du Grand Bassam abrite l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Si dans la première partie de cette émission, nous sommes intéressés aux préparatifs de cet événement, la deuxième est consacrée aux questions politiques et économiques liées au pays. Madame Nassou Sidibé est toujours en notre compagnie. Je rappelle qu'elle est le préfet du département du Grand Bassam. Madame le préfet, la Côte d'Ivoire a été protectorat français en 1843, puis colonie française le 10 mars 1893. Aujourd'hui, en 2024, comment vous jugez les relations entre la France et le pays dirigé par M. Alassane Ouattara? Mais merci. Je pense que les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Voilà, les relations sont au beau fixe pour faire parallèle avec la ville de Grand Bassam. C'est l'une des villes qui regroupe le plus gros nombre de ressortissants français en Côte d'Ivoire. Et ce sont des relations de bon vivre avec ces populations-là qui nous associent à toutes les activités et qui sont aussi associées à toutes les activités qui se passent ici. Pas plus tard que le 14 juillet, nous avons accueilli ici le Conseil général de France en Côte d'Ivoire pour commémorer la fête nationale de la France. Ce sont des relations qui sont au bon fixe. Notre pays fait partie de la CEDEAO, de laquelle sont sortis trois pays pour constituer ce qu'ils ont appelé l'Alliance des États du Sahel AES. Quel est votre regard sur cette décision de se désolidariser des politiques entretenues par les gouvernants des autres pays membres? Ok, d'accord. Je voudrais vous remercier et dire que cela n'appelle aucune interprétation personnelle. Je pense que c'est un dossier qui est géré au plus haut niveau par les chefs, nos différents chefs d'État et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est un homme de paix, qui n'est plus à démontrer, un homme de paix, un homme de dialogue, en tant que digne héritier de feu Boisé qui nous a légué le dialogue et la paix comme héritage. Il est certes meurtri par ce état de fait, mais je pense qu'il s'emploie avec ses pairs pour qu'une solution soit trouvée à ce problème-là, pour que la CEDEAO puisse prendre toute sa place dans le concert des différentes organisations internationales. Revenons-en à la Côte d'Ivoire. En tant que préfet, vous avez la responsabilité de l'exécution des politiques de l'État dans votre département, ainsi que des politiques communautaires qui relèvent de la compétence donc de l'État. À cet effet, comment la politique de décentralisation du gouvernement ivoirien se reflète-t-elle dans le département du Grand Bassam? Non, la politique de décentralisation, pas forcément dans le département du Grand Bassam. Dans la région du Sud-Kourou. Dans la région du Sud-Kourou, sur toute l'étendue du territoire national. Oui. La politique de décentralisation est la même, c'est plus de proximité. D'accord. Voilà, entre les pouvoirs publics et les populations. De plus en plus, impliquer les populations dans la prise des décisions et appeler les populations à une participation active pour la mise en œuvre des politiques publiques et pour pouvoir répondre de façon plus efficace aux besoins de ces populations-là, de pouvoir répondre à leurs aspirations profondes. Et on se rappelle, en mars 2024, vous avez lancé la redynamisation pour encore l'installation des conseils de sous-préfecture dans trois localités, à savoir Bongor, Bounois et Grand Bassam. À quoi répondait ce besoin et aujourd'hui, comment se comportent ces conseils de sous-préfecture? Mais merci. Je pense que c'est la redynamisation des conseils de sous-préfecture est une idée géniale du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Baronou Doumandé, qui a analysé et trouvé que ce sont des choses anciennes hein, qui avaient été mises aux oubliettes et qui a pensé qu'il était bon de redynamiser ces structures-là, qui sont des structures de développement à la portée des populations pour une plus grande implication des populations dans la prise en compte des décisions, comme je le disais tantôt, pour pouvoir mieux répondre aux aspirations de ces populations. C'est une des outils de développement pour que les populations se sentent concernées et que les populations se sentent responsable de leur destin.
Voilà. Pardon d'être un peu embêtant, mais sur le terrain, de façon concrète, comment ça marche? Alors, sur le terrain, ce sont des outils qui sont au mains des sous-préfets, qui doivent impliquer les populations à travers d'abord l'élaboration d'un programme de travail. Voilà, d'un programme de travail, c'est-à-dire recenser les besoins primaires des populations et puis essayer de donner des orientations sur divers axes pour pouvoir répondre au mieux à ces besoins-là. À présent, une question d'ordre infrastructurel. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Koffi-Kouakou, a procédé le vendredi 24 juin 2022 à l'inauguration du poste à péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Il nous est souvent revenu par moments que les riverains de la cité balnéaire, qui travaillent donc à Abidjan, préféraient emprunter l'ancienne voie en raison du prix de péage fixé à 1000 francs CFA, un prix qu'ils ont tous estimé assez élevé. Aujourd'hui, qu'en est-il concrètement? Bon, il faut dire que c'est vrai que depuis l'inauguration, quand nous avons connu les prix, nous avons reçu des membres de la société civile qui nous ont adressé des correspondances à l'effet de voir dans quelle mesure nous pouvions négocier pour que pour la réduction des montants. Mais il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites et sur lesquelles nous avons communiqué. Que les populations riveraines attestent de leur résidence dans les encablures ou bien dans les environs du péage pour que des prix préférentiels leur soient dédiés. Et toutes les populations, toutes les groupes sociales qui ont eu à entreprendre cette démarche-là, je crois qu'elles ont eu une réponse favorable à la requête, c'est-à-dire la diminution du montant de 1000 francs, en passant de 1000 francs à 500, comme sur le péage, le pont. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier sur le terrain. Oui, bien sûr. Le gouvernement ivoirien ne cesse donc de mettre en place des réformes économiques et politiques pour le bien-être des populations, comme vous venez de le signifier tout à l'heure. Quelles mesures vous avez prises au niveau de Grand Bassam en ce qui concerne le respect des prix plafonnés engagés par le gouvernement pour lutter justement contre la cherté de l'homme? C'est une bataille qui est menée, que nous menons d'un commun accord avec le ministère du Commerce à travers la direction régionale du commerce du Sud-Ouest. Les agents sont appelés chaque fois à intervenir pour des visites immobilières à l'effet de contrôler les prix et voir l'effectivité de l'application des mesures gouvernementales en matière de plafonnement du prix, pour que le panier de la ménagère qui est décrié comme étant léger puisse se remplir pour le bonheur de nos populations. Nous sommes en train de tirer les moments vers la fin de cette émission, mais on se rappelle qu'à la veille de chaque célébration de l'indépendance, le président de la République adresse un message à la nation ivoirienne. Surtout, on sait que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Quel sujet voudriez-vous qu'il aborde au soir, sinon à la veille de ce cette D'accord. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous a habitués à des discours apaisants et applaudis de pratiquement toute la nation à la veille des différentes célébrations depuis son accession à la tête de la nation ivoirienne. Je pense que nous allons nous inscrire dans la même logique, dans la même dynamique, c'est-à-dire des sujets qui ont trait à la réconciliation nationale, des sujets qui ont trait au renforcement de la cohésion sociale, des sujets qui ont trait au niveau des développements que la Côte d'Ivoire a atteint aujourd'hui et que ce développement-là puisse être pérennisé avec toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire unis comme un seul homme. Vous voyez, j'ai pris pendant mes propos d'enjeu de jeu, j'ai pris l'image de la plus belle canne organisée par la, jamais organisée en Côte d'Ivoire et remportée par la Côte d'Ivoire. Donc, l'image de la plus belle CAN jamais organisée en Afrique et remportée par la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme pour croire à ce slogan du président de la République qui disait jamais deux sans trois. Et pour que nous puissions aller encore de l'avant,
que la Côte d'Ivoire, qui a déjà pris toute sa place dans le concert des nations, puisse rester à ce niveau-là. Il faut que les Ivoiriens se donnent la main. Il faut que les Ivoiriens se parlent. Il faut que les Ivoiriens se sentent fiers d'appartenir à cette belle nation pour que nous puissions rayonner encore et encore. Et je ne pouvais pas terminer sans adresser toutes mes admirations au président de la République, dont je suis fière de représenter ici à Grand-Bassa. Mesdames et messieurs, elle est préfète du département de Grand-Bassa. Madame Nassou Sidi Bé a répondu à nos questions dans ce nouveau numéro de cette année. Merci, madame le préfet, de vous être prêtée à nos questions. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur cette info aussi. Le programme se poursuit.